tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais pas trop mal. Donc là je suis toujours sur ma map Sapa Agro. Donc là je suis dans la zone d'activité que j'ai créée. On avait la vidéo précédente, j'avais commencé à mettre les serres en route et puis là c'est fait, vous voyez là, ça a déjà pas mal produit. On pourrait même enlever, non celle-là je crois pas qu'elle est pleine, celle-là. Non elle ne doit pas être pleine. Celle-là, oui, celle-là, elle est pleine, je crois. Hein. Là, on va l'enlever. Voilà. On va la mettre là. Et hors vidéo, ce que j'ai fait, on va s'y rendre tout de suite. J'ai rattaqué la construction d'une usine. C'est l'usine, c'est la laiterie. Donc, on va y aller tout de suite. Voilà, on va s'y rendre. Voilà, c'est ici. Alors, vous voyez. Là, elle est en construction. Là, qu'est-ce qui me manque? Il me manque. On est à 88% déjà la construction. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter le temps pour la finir. Voilà, on va la laisser. Vous allez voir, ça va finir de se construire. Donc, là, ce qu'il va nous falloir après. Donc il va nous falloir des cartons, il va nous falloir du lait, il va nous falloir du sucre et des fruits. Donc on aura tout ça. Donc une fois que ça va être construit là, ben, je vais avoir mon ami Jojo là qui va venir. Il commencera aussi à alimenter cette usine là. Mais là pour tout de suite, on va voir où ça est. Où c'en est? Ah, on a 94%. Ça y est, ça va arriver. Hein. Regardez. Et voilà. Je crois que on est construit. On va voir. Hop. 98%, hein, non, il n'est pas encore tout à fait. Là, c'est bon, là, on peut passer dans les murs. On va 99. Et voilà, là, on est à 100%. Ah, bah oui, bah ça y est, tiens, la barrière a été mise. Est-ce que ça ouvre? Bon, c'est fermé. Bon, ce que je vais faire, je vais peut-être arrêter la vidéo. Et... on rattaquera demain matin parce que je vois que la nuit est arrivée. Donc, on se retrouve tout de suite demain matin. Allez, c'est bon, là je reviens. Là maintenant, vous voyez, c'est le matin. Les portes sont ouvertes, c'est tout bon. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va appeler notre Jojo, la nationale, qui vienne... déjà, il va commencer à amener le lait. Là, je pense que le lait, c'est là. Bon, eh ben, écoute, Jojo, je sais pas où t'en es. Hein. Est-ce que tu vas arriver bientôt? Donc là, dépêche-toi. Hein. Oh, ben, ça y est, patron. Hein, c'est bon, là, je suis après charger le lait. Et j'arrive. Je peux pas faire plus vite... Ça y est, ça va être plat, je vais démarrer. Allez, c'est parti. Attendez voir, je dois pouvoir passer par là. J'espère que je fais pas une connerie, parce qu'alors il y a mon patron, il va encore m'engueuler. Il va dire que je fais que des conneries. Mais lui, qu'est-ce qu'il en fait des conneries aussi? Ah, il l'a pas dit ça. Dans sa nouvelle zone d'activité, ce qu'il a fait, eh ben, il avait acheté une l'usine pour la laiterie. Il avait acheté la laiterie. Et puis du coup, on est après en construire une. Alors du coup, il a revendu, mais il dit rien hein, là quand il fait ça. Mais moi, si je fais des petites conneries, ben, il m'engueule. Oh là là. Allez, on est parti.
finira doucement et sûrement. Bon, bah, patron, hein, je vais arriver dans un petit moment. Hein, vous avez qu'à aller faire autre chose. Ouh là là, putain, j'ai ben pas bu. Mais alors, je sais pas comment je conduis ce matin. Heureusement qu'il est pas là. Parce que, alors, attention. Bon, bah, ma foi. Bon, patron. T'es où? Où c'est? Bon, eh ben, c'est tout bon. Si jamais t'arrives, ok, t'as qu'à te débrouiller. Moi, ce que je veux faire. Je vais aller voir l'ouvrier à la moissonneuse parce qu'elle doit peut-être pas tarder d'être plein. Ça va peut-être pas tarder d'être plein, donc je vais aller voir où ils en sont. Allez, on va sauter là. Alors, où il en est? Oh, mais il est là-bas, ça tourne, c'est tout bon. C'est tout bon. Il va peut-être pas tarder d'être plein. Alors, comment ça va? Est-ce que ça va? Ça tourne bien? Bah écoute, ça va pas trop mal, hein, ça va. Par contre, là, ça y est, je suis plein, hein, tu viendras, viens d'en vider. J'arrive, j'arrive, c'est tout bon, voilà. Allez, bon, et puis ce qu'il y a, là, ce que je veux faire, après, je vais emmener le tournesol à la boulangerie. J'ai envie de mettre la boulangerie aussi en route, qu'on se fasse un petit peu de l'argent, parce qu'alors il m'en reste pas beaucoup. Là, je vais bientôt être dans le rouge. Donc, ce qu'on va faire, on mettra déjà la boulangerie en route. Après, la laiterie, on pourra la faire tourner aussi. Donc, ça doit nous procurer du beurre, du yaourt, et puis je sais plus quoi encore. Allez, on va les vider ça déjà. Alors, oh, il faut que je fasse le tour, on va couper. Hein. Allez, hop. Ni vu, ni connu, on coupe. Hein. Après, bah, on verra ce qu'on fera. Ah bah, la boulangerie, on pourra continuer aussi à amener. Il doit falloir du blé, je crois. De l'eau. Du blé, de l'eau. Je sais pas s'il faut pas des palettes aussi. Je m'en souviens plus. Je sais même pas que c'est qu'il faut vider. Ah, il faut vider là. Oh, mince, je savais plus où c'était. Je me rappelais plus où fallait vider. Donc, faut qu'on vide ici. Allez, on va vider ça. Non. Alors ça ne veut pas vider.
Ça vide pas. Bon, bah écoutez, on va voir. On va voir, je vais aller voir Jojo pendant ce temps où il en est. Ça y est, patron, hein, je vais bientôt arriver à l'usine, hein, ça y est. J'approche. Ah, je la vois au loin. Ouh là 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 là. Ah, j'ai pas bien l'habitude de conduire ce camion. Hein. Heureusement qu'il y voit pas. Donc, voilà, c'est là, ok. Hop, on va reculer. Ah, patron, ça vide. Il va être content. Voilà, bon ben, le camion, ce que je vais faire, je vais le rentrer au dépôt. Et puis t'auras qu'à me dire ce qu'il faut faire après. Bon, bah ça y est, c'est fait. Hein. Il me semble que j'ai trouvé le truc pour vider. Fallait que j'ai fait demi-tour. Je suis carrément à rôle. Hein. Donc là, normalement, ça doit vider. Voilà, ça vide. Donc là, après là, je vais retourner. Regardez ce qu'il nous faut, peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors. Ah, là. Ok. Donc, on a du tournesol, c'est bon. Il nous faut de l'orge, il nous faut du blé et de l'eau. Et des palettes. Bon, bah, des palettes, on en a sous l'hangar, c'est bon. Allez, on va se rendre, on va retourner voir la moissonneuse sur que la trémie elle est pleine. Après, je pense que je vais arrêter la vidéo et la prochaine vidéo, et ben, on continuera à alimenter donc ces deux usines, aussi bien la laiterie que la boulangerie. Oh, j'ai pas mis les gyros. Toutes les fois, les gyrophares, j'oublie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On coupe là, hein? Allez, hop. Personne nous a vus. Elle doit être de l'autre côté. Ouais, elle est là. Eh oui, il est bien plat.
C'est une chose aussi qu'il faudrait que je voie, on va regarder ça, même tout de suite. C'est voir pour les animaux, qu'est-ce qu'il leur faut. Hop. Oula, les moutons, eh bien, ils n'ont plus rien. La laine, j'en ai pas beaucoup. Putain, il faudrait que je récupère aussi de la laine. Je voudrais bien faire des rouleaux de tissu. Oula, ouais, ben, il faudra qu'on aille les nourrir. Hein. Encore les vaches, ça va encore à peu près. Les cochons, ben, il n'y a plus rien. Je crois qu'ils sont sur le gravier. Comme les moutons. Donc, il va falloir... qu'on s'en occupe sérieusement, ou j'enverrai peut-être Jojo, on verra. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, je crois que je vais arrêter la vidéo. Je vais vous dire bonne vidéo, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.